Évidemment, à partir du premier texte, il y a une question qu'on ne peut plus vous poser. Mais pourquoi? Puisqu'au fond, le texte fait voler en éclat tout ce qui relèverait de la réponse à voilà pourquoi, voilà parce que, etc. Donc ça, c'est très bien parce que ça oblige à celui qui veut poser une question de lui montrer, au fond, la vanité de la question elle-même. Et puis, rétrospectivement, on pourrait se dire que chaque fois qu'on dit « mais pourquoi donc ?», on pourrait avoir la litanie des réponses. Et qu'au fond, chacune serait suffisante et chacune est absolument incomplète. Donc je me dis qu'une fois avec Alain, on a sorti un livre d'édition de la différence qui s'appelait « Pourquoi écrire ?» Et qu'on voit que, bien sûr, il fallait poser cette question, bien sûr, on peut y répondre, etc. Mais sans oublier la vanité de la question et qu'au fond, votre texte démontre la dérision de la poser ou de prétendre y répondre. Vous seriez d'accord sur ce point. Et donc, il faut refuser, après vous avoir entendu, de faire comme si on ne l'avait pas entendu en reposant un pourquoi plus sophistiqué. Donc il faut passer au second. Et là, c'est une question que je me pose, je suis toujours posé. C'est bien entendu, vous l'avez entendu chanter, vous avez entendu des disques, peut-être même vous l'avez entendu... Petite fille, je me souviens de cette fois où voilà. Elle est venue à l'Olympia. J'étais très petite, mais je me souviens de ces foules qui attendaient. Voilà. Alors, il paraît que quand elle arrivait ou quand elle chantait, les ennemis du monde arabe entre eux voilà. Se suspendaient. C'est pour ça que je trouve que c'est un texte politique. Se suspendaient. Et... J'ai toujours été fasciné par ce qu'on disait, la voix, oui. L'unique, la langue arabe, la question que je me posais, c'est, on sait l'importance de la voix, du rythme, dans la langue arabe et notamment coranique, ce qu'on appelle le flux coranique, et qui n'est pas simplement d'apprendre un texte, mais de le dire d'une façon telle qu'il pénètre dans le corps. Ça, on connaît beaucoup moins bien dans les autres religions, alors il faut aller vers des pointes mystiques plus rares. Et là, il y a quelque chose qui tient à la spécificité, je crois, du Coran lui-même et la façon de le dire. Et quand on le dit, c'est pas simplement une musicalité qui se rajoute, c'est que ça fait surgir la communauté même des croyants. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire la puissance qu'aurait chacun, en psalmodiant le Coran, de faire consister la communauté même. C'est rare qu'une langue aille jusqu'à ce point, ou une religion aille jusqu'à ce point, que ça passe moins par le concept, par le sens, etc., que par la voix, justement, avec ses effets. C'est une remarque. La question que je me posais, parce que ça m'a toujours intéressé, je ne sais pas, vous pouvez avoir votre avis, mais comment chantait-elle pour produire ce type d'effet? Je n'en sais strictement rien. Vous avez une petite idée? Alors, moi je suis en fait partie d'une photo, je n'avais pas cette idée que j'allais écrire sur sa voix, enfin sur les effets de sa voix. Il y avait d'une part évidemment qu'on est tous... consterné de la condition féminine dans certains pays de par là, et que cette femme incarnait et a été soutenue par tous ces pays. Bon, elle était l'exception, elle, cette, la dame. Bon. Et puis dès qu'elle est morte, on a cassé sa maison Art déco. Hein? Donc sa mémoire est encore très vive quand même dans les pays arabes, n'empêche qu'il y a plein de traces d'elle qu'on a vite fait de faire disparaître. Hein?
Moi, je suis partie d'une photo d'elle dans les années 20 où elle jouait du oud. Mmh. Et parce que mon premier propos était d'écrire sur le oud. Et là, c'était d'une prétention terrible parce que je n'ai pas réussi à écrire un long texte sur le oud. Et comme je calais à écrire sur le oud, en fait, en tombant sur cette photo d'Oum Kalsoum, alors habillée années 20, hein, avec une robe courte, un petit bonnet. Et donc, elle était joueuse de oud. Et ensuite, on ne l'a plus, quand elle était entourée d'armées de... les hommes de son chant que j'évoque, écrivains ou musiciens, elle ne joue de oud, elle chante. Mais en fait, elle était autant oudiste que chanteuse. Tout ce que je sais, c'est que sa voix était remarquée dès qu'elle était enfant, puisque on la voulait dans les mariages, mais qu'il fallait la déguiser en garçon, puisque ce n'était pas décent qu'une fille chante dans les mosquées. La caractéristique de sa voix qui a tant transporté des millions de gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça vous a... interroger pour écrire le texte, quand même. Oui. En tant que femme. En tant que femme, donc à la fois pour les raisons, je disais, politiques de ce statut de la femme dans les pays arabes. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Évidemment, il y a quelque chose de mystérieux dans cette voix. À la fois une jouissance pour elle, puisqu'elle a abandonné le oud pour n'être qu'une chanteuse. Et l'effet, évidemment, que ça avait sur tant de gens. Et vous êtes d'accord que c'est un caractère fascinant, rien que le fait d'en parler. Oui. Rien que le fait de dire l'effet que ça produisait, ça nous laisse baba, au fond. Oui. Alors, il y a aussi que dans... Quand je me suis mise à écrire aussi sur la voix d'Oum Kalsoum, il y avait aussi que je me demandais pourquoi j'avais lu à voix haute des textes dès mes 18 ans. Enfin, voilà, hein, bien sûr. Pourquoi j'avais rencontré Bernard Haitzig, pourquoi j'avais été proche des gens de la poésie sonore. Voilà. Donc bien sûr, là, j'allais interroger le summum de l'effet de la voix, mais c'était aussi une façon de me poser cette question pour moi-même. Pourquoi j'y mets de la voix sur mes textes? Là, il y a un pourquoi auquel je ne répondrai pas. Oui. Mais enfin, c'est ma propre question. C'est une question, mais le poème que vous avez lu, c'est une réponse du point de vue de la chanteuse. Voilà, elle, l'effet que ça produit. Voilà, et puis elle comme personnage aussi politique, pas seulement esthétique, hein, comme femme aussi, qui par sa voix avait une action politique dans son pays. On sait qu'après la... Oui, enfin, voilà, bah, les anecdotes, vous les connaissez. C'est un rêve de poète, ça, au fond, ou de femme poète qui lit à voix haute. Non, je pense pas. Hein. Pensez pas que ce soit un rêve. Non. Ah non. Non, c'est pas un rêve. Je sais pas. Le rêve, c'est aussi les moments de. Pour moi, c'était. Si vous voulez savoir mon rêve, moi, la réclusion, être à part avec le texte, me paraît des moments plus riches. Peut-être plus riche. C'est une résonance, au fond, qui a ravi les foules, pas seulement les femmes, dans son cas, mais aussi les hommes. Oui, ça, c'est son cas. Avec aussi la dimension, on l'entend et c'est inaccessible. Oui. Voilà. On l'entend dans son oreille, elle est là, et au moment même où ça surgit, vous ne l'attrapez pas, vous ne la saisissez pas. Par opposition au premier texte, il me semble que vous avez placé ces deux textes. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait les deux textes si le temps s'y prêtait. Très juste. Parce qu'au fond, dans le deuxième poème, il n'y a pas de pourquoi. Non. Je
pense même pas qu'elle réponde elle-même à la question du pourquoi. Elle était inaccessible à un point tel. Elle se mettait inaccessible. Elle arrivait. Elle se cultivait inaccessible. Voilà. C'est ça, elle se cultivait inaccessible. Bon, c'est... Oui, c'est ça, c'est très beau ça. Se cultiver inaccessible à un point tel que la voie de pure transparence reste un apax presque, reste, on ne sait pas quoi faire avec. Et que disait-elle politiquement? Alors, par exemple, des gestes politiques, après donc la défaite évidemment des Égyptiens. En 67, donc la guerre des six jours, l'Égypte est ruinée. Hein. Donc elle part, elle fait une tournée gigantesque dans le monde arabe. Et l'argent, elle ramène tout en Égypte. Ah ouais. Elle rend flou les caisses de Nasser, des millions de gens qu'elle va captiver partout, y compris les Juifs, pas seulement les Arabes. Savoir captive. Tu t'identifies un peu. Tu t'identifies un peu, comme une héroïne quand même. Quand on écrit le texte, on flambe pour cette héroïne, oui. Flambe, voilà. Flambe. Hein. Voilà, bon, c'est une flambée comme ça, le temps de l'écriture et d'aller creuser ce sujet étrange, enfin, je dirais, parce qu'il y a une étrangeté dans ce charme. Que dirait-elle aujourd'hui sur les bombardements de Occident sur Orient, elle aurait, on peut imaginer. En même temps, c'était une femme qui ne cherchait pas du tout à... Quand elle est venue à Paris, par exemple, on voulait la faire parler politiquement. Elle n'a pas parlé. Elle ne voulait absolument pas. Hein. C'était... Elle restait dans sa grande dignité d'artiste. Et elle avait une action. Mais en parole politique, non. Elle était avant tout une voix. Mais je vais vous faire un aveu, je n'avais pas prévu aujourd'hui, une confidence. C'est qu'au plus intime de moi-même, j'ai essayé de savoir quel était mon ou mes Oum Kalsoum. Et au fond, j'ai passé ma vie à faire résonner ces voix-là. Et au plus elles résonnaient, au moins elles étaient accessibles, saisissables, et au plus elles avaient de la résonance. Bon, je résume, j'en prendrai que deux. Ça a été Marx dans Le Capital. Mais oui, ça peut faire cet effet pour certains intellectuels. Et ensuite, ça a été Lacan. Lacan. Oui, Lacan. Et au fond... C'est pour ça que ça me parlait autant ce que vous disiez quand vous faisiez surgir cette femme, parce que je m'aperçois que la question que je me posais à propos d'Oum Kalsoum, c'est celle que je me suis toujours posée à propos de ces deux auteurs. Voilà, et il y a peut-être quelque chose là du plus intime qui fait qu'on peut se demander, on peut décliner chacun pour soi-même, quel est mon Oum Kalsoum. Et si on se donne ce petit exercice in petto, vous verrez qu'on peut arriver à des réponses étonnantes. Surtout que ce n'était pas prévu. Et vous faites surgir cette femme, cette voix et ses effets. Et on se dit, voilà, comment ça se passe pour chacun. Alors vous nous avez donné un petit peu des traces de vos Oum Kalsoum, lorsque vous avez cité un peu rapidement les noms des poètes. Bien sûr. Vous c'est êtes très joli. Dans la série. Mm. Vous êtes un peu un fragment d'Oum Kalsoum pour elle. Eh bien voilà. C'est une question aussi. Ouais. De qui suis-je un peu le Oum Kalsoum? On va sortir désespéré, certes.